Je veux en venir. Personne ne s'est insurgé, dans quel que soit le média, d'avoir un président qui tire sur son peuple. On est le seul pays en Europe où on tire sur le peuple parce qu'on a osé l'ouvrir. Voilà, on s'est permis de descendre dans la rue pour nous dire que la France nous coûtait un bras, parce qu'on l'a ouvert, ben ça va coûter un œil, et à 21 copains aussi. Et ça, j'ai du mal à comprendre. Pour revenir à ces fameux cours d'éducation civique, liberté, la France est un pays libre d'expression, ben voilà ce que donne la liberté d'expression aujourd'hui, le droit d'être aveugle d'un œil. Et ça, ça me désole au plus haut point, parce que personne ne s'en insurge, personne n'en fait débat, et personne n'est capable de cartonner un castaner à la télé en lui disant « Mais putain, tu tires sur ton peuple, pauvre con, qu'est-ce que tu fais, quoi ?» On a quand même un président qui a 40 piges, j'ai 40 piges, je pense qu'on a eu les mêmes biberons, d'accord? On a regardé le club Dorothée ensemble, je pense qu'on a été à la même école républicaine, jusqu'à un certain niveau. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, il n'a pas dû avoir les mêmes cours le garçon, d'accord? Parce que pour cracher sur la démocratie, pour cracher sur la constitution française et sur nos libertés comme il est en train de le faire, il n'a pas dû avoir les mêmes cours, le garçon. Il a dû aller à l'école d'Hitler, mais pas la mienne en tous les cas. Ouais, alors, ouais, je sais, je manque de respect à notre cher président de la République. Autant j'ai du respect pour la fonction, autant aujourd'hui, on a un lien particulier, lui et moi, pour que j'évite de lui marquer du respect. Tout simplement. Donc, je pense que... Sur les trois revendications que je vous ai données dans un premier temps et cette fameuse quatrième, je pense qu'il est important aujourd'hui vraiment de rester soudés, unis, face à ce qu'est en train de mettre en place Macron, d'accord ? C'est-à-dire un espèce de régime semi-autoritaire qui va nous empêcher de bouger. Et je vous le dis, hein, je vous le dis très clairement avec ce qui se passe aujourd'hui, si on ne gagne pas ce combat aujourd'hui, on le perdra pour l'éternité. Moi, je suis gilet jaune depuis que j'ai eu la conscience et la réflexion politique de par l'âge et de par voir ce qui se passait en France. Parce qu'on me demande souvent, depuis quand vous êtes gilet jaune? Bah, depuis que j'ai compris qu'il y avait un réel problème en France et que ça ne fait que empirer. D'accord? Moi, je suis gilet jaune depuis 2008. Parce que je suis désolé, les gars, on a 10 ans de retard. Il y a 10 ans qu'on aurait dû faire ça. D'accord? On aurait dû faire ça quand on nous a dit, bon, bah, les gars, les banques, elles ont déconné, vous allez payer pour, hein. Et là, il y a beaucoup de macroniens, on va dire, qui nous prennent pour des moutons parce qu'on manifeste tous les samedis, d'accord? Mais c'est là où on a fait les moutons, c'est en 2008 quand on a dit « Amen » aux banques. Surtout quand ils nous ont dit « Amen ton pognon », d'accord? Bon, mais il n'est jamais trop tard pour rattraper les choses, d'accord? Il n'est jamais trop tard. Donc aujourd'hui, je vous demande juste un truc, parce que vous me faites rêver quand je vous vois tous, quand je vois la France, quand je vois la manif sur le samedi. Ah oui, hein. Et puis je finirai là-dessus. J'entends toujours cette question, et c'est la question qui m'emmerde le plus. Faut-il continuer à manifester le samedi? Ben oui, 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 oui. Alors... Pourquoi marcher? Bah déjà pour la première raison, ça fait du bien à la santé, ça évite le diabète. Ça peut aider la sécu, blague à part. Depuis que je suis gamin, tous les mouvements sociaux se passent dans la rue et se passent par des marches. Dernier souvenir que j'ai en date, le fameux CPE, 1 million de personnes dans la rue, c'est plié, on fout la poubelle, on n'en parle plus. La preuve, elle est là. Moi, j'ai connu 95, c'était un sacré bordel, d'accord? C'était tellement le bordel, parce qu'on parle souvent de grève générale, d'ailleurs, faudrait mettre tous à un moment donné ou un autre. Alors on me demande souvent, mais pourquoi vous appelez pas à la grève générale? Bah moi je vous appelle à la grève générale, voilà, ça c'est fait. Mais moi si je vois une grève générale, je veux la même qu'en 95, c'est-à-dire en 95,
les rails de la ligne B du RER étaient rouillés. Il n'y avait pas un train. Et c'est ça un vrai blocage. D'accord ? Qu'on soit syndiqué, qu'on ne soit pas syndiqué, montrons-leur que c'est nous qui faisons la richesse de la France et que si on arrête de bosser, il n'y a plus de pognon qui rentre. Pour revenir aux manifestations, si on sort de la rue le samedi après-midi, déjà qu'on n'est pas très visible, alors là on sera carrément invisible et Macron aura gagné. D'accord ? Bien sûr, je vous appelle à manifester dans la tranquillité, dans le pacifisme, tout simplement pour penser à nos petits retraités qui veulent marcher tranquille, à nos personnes à mobilité réduite qui souffrent aujourd'hui en France, d'accord ? Pour qu'ils puissent aussi marcher avec nous parce que c'est une demande. Et puis des familles aussi, des parents qui veulent montrer à leurs enfants qu'aujourd'hui on se bat pour eux. Et c'est pour ça que j'appelle moi au pacifisme et que je l'ai toujours fait depuis le début du mouvement, tout simplement. Voilà la famille. Je finirai comme j'ai